Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du LCM Sport. Ce soir, nous allons parler de hockey sur glace car nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Facchini, le directeur sportif du Hockey Club Provence-Aubagne. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous accompagner, Jean-Jacques Panzani, le président du club, mais aussi Laurent Catroux, le capitaine de l'équipe première. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. Avec vous, nous allons évidemment nous intéresser à votre club. Nous allons parler de vos ambitions pour le championnat à venir et aussi vous nous direz pourquoi vous souhaitez inciter les jeunes à pratiquer ce sport. Et enfin, j'accueille Florent Germain, notre confrère de RMC. Ça va bien ? Ça va, merci Alexandre. Avec vous, nous allons bien évidemment parler de l'OM. Les Marseillais, lanterne rouge du classement, affrontent demain à 19h Evian Thonon-Gaillard au stade Vélodrome. Un match capital pour sortir de la crise. On va en reparler en deuxième partie d'émission. Mais avant, messieurs, vous allez confirmer qui a dit qu'il n'y avait que le football à Marseille, puisque ce week-end a eu lieu le Festibol, un événement durant lequel les enfants ont pu découvrir une multitude d'activités liées au sport de glisse. Il y en avait pour tous les goûts. Le sujet est signé Alexandre Lépiné. Le skatepark de l'Escale Borély en fête ce week-end à l'occasion de la première édition du Festibol, un rassemblement associatif orchestré par l'AMSCAS, le célèbre club de roller. L'objectif, réunir le temps d'un week-end toutes ces associations qui font vivre la glisse à Marseille. L'esprit qu'on retrouve sur le festival, c'est tout d'abord une solidarité entre les associations parce qu'on se connaît, il y a une entraide, que ça soit bénévole ou tout autre. Et le but, c'est justement que toutes ces associations puissent échanger, partager et le temps d'un week-end, proposer leurs animations, mettre en avant leur association. Parce que le milieu associatif, il faut le mettre en valeur, c'est très important. Beaucoup de gens essayent de travailler dans leur passion et c'est comme ça qu'on a vraiment des animations de qualité et des professeurs de qualité aussi. Des professeurs mis à rude épreuve. Le public est venu en nombre pour s'initier gratuitement à de nouvelles disciplines. Du skateboard, bien sûr, mais aussi de nouvelles formes de glisse comme son cousin, le mountain board, une sorte de planche à roulettes tout terrain. En priorité, dans toutes ces activités de glisse, la sécu, ça va être de savoir s'arrêter dans un premier temps et puis après de pouvoir enchaîner des virages autant à droite qu'à gauche. Pour certains là, qui avaient déjà bien pris le coup, parce que ça se rapproche pas mal du snowboard et du skate, on a même pu aborder 2-3 petits sauts avec quelques grades et puis quelques petites rotations. Il va falloir appuyer tellement fort pour que la planche elle se torde sous ton poids. C'est rigolo parce que c'est pas pareil que le skate normal. J'ai appris que pour tourner à droite, fallait enfoncer les pointes et pour tourner à gauche, fallait enfoncer les talons. Un peu plus loin, c'est l'association Recréation qui propose une initiation au parcours, nouvelle discipline urbaine qui consiste à franchir un maximum d'obstacles le plus vite possible, tout en exécutant des figures, grimper, sauter, escalader, quoi de plus naturel pour de jeunes ados. Les minots, ils s'éclatent. De toute façon, on a tous fait ça. Quand on était à l'école, on sortait, on marchait en équipe sur les bancs, on grimpait un peu de partout. Donc c'est vraiment instinctif. Donc les minots, ils ont le droit de le faire, on leur donne des conseils pour le faire encore mieux. Donc là, c'est royal, ils sont paradis, quoi. Et nous, on s'éclate tout un peu. Et pour terminer la journée, concert de rap et jam session. Fini les initiations, place aux démonstrations. Roller, skate, BMX, les meilleurs riders assurent le show. Au menu, gros transfert et rotation. De quoi ravir le public réuni autour d'une star mondiale de la glisse, le bol de Marseille. Allez, nous allons à présent parler de hockey sur glace. Raphaël Facchini, vous êtes le nouveau directeur sportif du Hockey Club Provence-Aubagne. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente un gros challenge et beaucoup de travail parce que c'est vrai que c'est un club qui demande à se développer. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la structure, donc la mise en place de l'organisation du club, et puis également aussi tout ce qui est équipe première, donc d'accéder à notre objectif de cette année, donc les playoffs de division 3. C'est aussi de faire connaître ce sport qui, comme vous l'avez dit, n'est pas forcément très connu dans la région. Donc il y a vraiment un gros objectif et un gros challenge à faire. Vous confirmez, Président, c'est un sport qui n'est pas très connu à Marseille. Le hockey sur glace? Tout à fait, c'est un sport qu'on essaye de faire connaître de plus en plus, qu'on essaye de développer avec l'aide de Raphaël. On a des grandes ambitions de développement au niveau du club. On aimerait se positionner en club formateur
de manière à accueillir toute personne voulant débuter sur toutes les catégories. Et puis, pourquoi pas, l'année prochaine, si on se retrouve en play-off, ouvrir une division 2. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfants que vous formez de tout jeune, vous n'avez vraiment que des adultes, des confirmés? Alors, on a beaucoup d'enfants, on a une école de glace dont s'occupe Raphaël aujourd'hui, où on a de plus en plus de participants d'ailleurs. Combien? On a une trentaine là-même. Voilà. Trentaine d'enfants? Oui. Une trentaine d'enfants. D'accord, que vous formez... Débutants, à partir de 4 ans. Oui, à partir de 4 ans. Et puis même plus jeune, puisqu'on a un enfant qui a 3 ans et demi et qui commence à avoir une crosse dans la main. Alors bien sûr, c'est sous forme de jeu, hein, c'est très ludique, mais on apprend très tôt parce que, comme vous le voyez, on a quand même des patins au bout des pieds, hein, on ne court pas sur une pelouse ou sur un terrain, donc il faut s'habituer déjà aux patins, il faut s'habituer après à la crosse, puisque c'est le prolongement des mains. Donc ça demande un apprentissage assez tôt. Maintenant, on peut commencer aussi le hockey à 13 ans, à 14 ans, ce n'est pas un souci. Mais alors il y a des paliers, on apprend d'abord à tenir sur des patins et après à manier la crosse, ou on fait tout en même temps, Président? Alors le plus simple, c'est quand même d'apprendre à tenir debout progressivement. Au départ, je pense qu'on utilise un petit peu la crosse pour garder son équilibre. Et puis après, progressivement, on oublie un petit peu les patins pour se concentrer sur le maniement de la crosse, sur le maniement du palais, et vraiment lever la tête pour regarder le jeu autour et là, commencer à prendre du plaisir sur la glace. Laurent, vous êtes le capitaine hein, de l'équipe première du club. Comment est née cette passion? Je crois que ça fait 17 ans hein, que vous êtes passionné de hockey. Ouais, c'est bien ça, mais la passion remonte encore plus longtemps. Si vous voulez, une fois en classe de neige, j'ai découvert ce sport à Villard-de-Lans en tant que spectateur. Et je me suis dit, c'est ce sport que je veux faire. Et malheureusement, dans la région, il n'y avait pas de patinoire à l'époque. Une patinoire s'est ouverte à Aix-en-Provence. Le jour de l'ouverture, j'ai signé pour tout de suite rentrer au club. Et voilà, ça a commencé comme ça, tout simplement. Messieurs, je vais peut-être vous mettre en colère, mais on dit souvent que le hockey sur glace est un sport qui peut être violent. Que me répondez-vous? On va s'en aller. Raphaël, dites-moi, parce qu'il y a des Marseillais qui s'interrogent à non, ce sujet. Bah, c'est un sport de contact, donc effectivement c'est très spectaculaire. Hein. On patine quand même à niveau professionnel à 40 km/h. On a des beaux bestiaux comme Laurent, sur le plateau là, qui sont sur des patins. Donc forcément c'est très spectaculaire quand on ne connaît pas forcément. Mais on est protégé, il y a beaucoup moins de blessures par exemple qu'au foot ou qu'au rugby, puisqu'on est protégé, on a un équipement entier sur le dos. Donc les seules blessures que l'on peut avoir, c'est peut-être sur une torsion de cheville, mais ça peut arriver comme n'importe où. Mais sinon, il n'y a aucun blessé. Quoi. Généralement, pendant les matchs, il y a zéro blessé. Hein. Et est-ce que vous inculquez justement la non-violence aux gamins qui ont 3-4 ans? Là, vous leur dites, voilà, il ne faut pas être violent sur un terrain de hockey. Alors, on est sur une structure qui est quand même assez familiale, hein, sur une association qui se travaille avec des parents. On est sur des valeurs importantes qui sont des valeurs familiales, sur le respect des autres, sur l'enseignement sportif dans toute sa splendeur, mais surtout sur tous les aspects positifs de l'enseignement sportif. Raphaël peut le confirmer, on a mis en place là cette année une charte de joueurs pour aller encore un petit peu plus loin dans cette démarche, mais c'est déjà très ancré dans l'enseignement au niveau des petits et progressivement on continue sur chacune des catégories. Laurent, quelles sont les principales qualités physiques et mentales également d'un joueur de hockey? Les qualités, il y en a beaucoup à avoir. C'est surtout un esprit d'équipe. C'est le noyau de ce sport, comme tous les sports collectifs. Il faut vraiment avoir un gros esprit d'équipe. C'est, je pense, la base de ce sport. Après, il y a du physique, évidemment. Ça se passe aux entraînements. On a des entraînements qui sont faits pour nous donner la condition pour être en pleine forme. Et après, le niveau mental, c'est un travail individuel et collectif. Maintenant... Il y a des valeurs fortes. C'est des valeurs, c'est l'entraide, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Comme dans tous les sports, on se rejoint à la fin du match pour boire un verre ensemble. Troisième mi-temps du hockey sur glace existe aussi. Voilà, c'est vraiment un groupe. Et là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pourquoi pratiquer le hockey? C'est pour moi le plus beau sport qui existe, puisque évidemment c'est ma passion. Maintenant, c'est un sport qui va très vite. Il y a le bruit de la glace, il y a le contact, c'est un sport de contact, c'est un sport d'agilité. Et voilà, c'est une grosse, grosse passion et c'est vraiment un sport qui est rapide. Et je pense que c'est un des sports les plus rapides du monde en sport collectif.
Raphaël, vous confirmez, c'est ça? Je confirme, et puis en même temps, on parlait tout à l'heure de discipline aussi, parce que dans notre règlement, nous avons des minutes de pénalité selon les erreurs ou selon les fautes commises sur la glace. Donc il y a ces deux valeurs vraiment avec une discipline, une rigueur et une convivialité à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin d'un match, vous verrez les deux équipes se serrer la main, ce qui n'est pas commun forcément à beaucoup de sports, mais nous, on se serre la main, et puis effectivement, il y a un troisième tiers-temps ou une troisième mi-temps, comme vous pouvez l'appeler, de boisson par la suite, mais ça, j'aime pas trop quand mes joueurs y boivent. Donc, Alors, le championnat commence le 8 octobre et je crois que vous commencez par un club qu'on connaît bien à Marseille. Président? Alors, on va commencer le 8 octobre par ce qu'on appelle, nous, communément, le derby du Sud, par le club de Marseille là, qui commence cette année, là où on a commencé l'année dernière. Donc, c'est vrai que c'est des gros enjeux. Ceci étant dit, on connaît déjà un certain nombre de joueurs, puisqu'on se pratique depuis un certain nombre d'années aussi. Donc, ça reste très bon esprit. Il y a des bonnes relations avec Marseille, complètement, j'imagine. Complètement. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit à travailler sur la découverte du hockey dans une région qui est pas forcément qui facilite pas les choses. Mais je pense qu'on a les mêmes objectifs et puis dans tous les cas, vraiment inculquer des valeurs qui sont très fortes en termes de respect, en termes de, comme je le disais tout à l'heure, valeurs familiales. Laurent, en tant que capitaine de l'équipe, pour terminer, les ambitions sont claires, hein, accéder aux play-offs et monter en D2, c'est clair pour vous tous. Est-ce que vous avez, votre équipe, à la possibilité d'y arriver aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, monter en play-off, c'est une certitude. Monter en D2, ça va être à voir, puisqu'on a des nouvelles recrues et on n'a pas encore fait de match test pour tester le groupe, l'équipe. Donc ça va être le 8, on va déjà voir où on peut se placer, voir aussi dans les autres poules comment ça se passe. Mais les playoffs, moi j'espère en tout cas qu'on va y arriver. Une montée en D2 cette année, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas. Je pense qu'il y a de quoi faire, on a un bon petit groupe, un gros noyau dur. Quoi qu'il en soit, LCM vous soutient dans vos ambitions. Merci messieurs d'être venus sur le plateau. Du LCM Sport, vous nous quittez? Merci à vous. Puisque tout de suite, on parle foot. Demain, l'OM affronte Evian Thonon-Gaillard au stade Vélodrome dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Est-ce qu'on peut parler, Florent, de match capital pour l'OM demain soir? Oui, vraiment à tous les niveaux, match capital, parce que Marseille ne peut pas se permettre de rester dernier du classement plus d'une journée, c'est inconcevable. Capital aussi parce que les joueurs doivent vraiment une revanche à leurs supporters. D'ailleurs, on a écouté hier Steve Mandanda, même Deschamps, ils ont eu des mots assez clairs, hein, ils parlaient de honte, de colère, de réaction, d'orgueil à avoir. Donc si demain, avec un accueil qui s'annonce assez électrique du côté des supporters marseillais, malgré les efforts du club pour les en dissuader, je pense que s'il n'y a pas victoire, là, on va vraiment sombrer dans une crise très profonde. L'OM a vraiment la pression là demain. Ah oui, mais Marseille, on dit souvent, a toujours la pression, c'est vrai, de fait, parce que c'est l'OM, parce que c'est le club le plus populaire de France, parce qu'il y a des supporters extraordinaires qui remplissent toujours le Vélodrome ou qui font remplir les stades adverses. Mais après, là, c'est une pression qui pourrait devenir négative parce que être comme ça dans un cercle vicieux, être dernier du classement, être critiqué, même Deschamps qui a ramené le titre, on commence à avoir des articles à se demander s'il est intouchable ou pas. Il ne faut pas que ça dure très longtemps à Marseille. Selon vous, il est intouchable, Didier Deschamps? Il est intouchable pour le moment, mais il n'y a aucun coach qui est intouchable à vitam aeternam. Qu'on a beau s'appeler Mourinho ou Alex Ferguson ou Arsène Wenger. Arsène Wenger, par exemple, c'était un dieu pendant longtemps à Arsenal. Aujourd'hui, et c'est plus trop il y a le eu cas. Quelques mauvais résultats, un recrutement un peu poussif, et on a commencé à parler d'Arsène Wenger, va-t-il partir, etc. Pour le moment, Deschamps, à mon avis, c'est une perte d'énergie de se poser la question. Si dans deux mois ils sont toujours derniers, on en reparlera. La situation actuelle, hein, on vient d'en parler, elle est très compliquée, mais le capitaine marseillais s'est longuement exprimé, hein, sur cette situation. Pour lui, le titre de champion semble déjà oublié. On l'écoute. Malheureusement, on n'arrive pas à gagner et à faire les bonnes performances, donc forcément, au niveau confiance, ça diminue énormément. Et puis on n'ose pas, donc forcément c'est un cercle vicieux, on va dire. Maintenant il va falloir exactement faire preuve de mental pour s'en sortir, parce que
n'y a que de cette manière qu'on va pouvoir réussir à sortir de cette situation très très difficile. Après, je sais, si vous me posez cette question, c'est par rapport au titre. On va l'oublier complètement parce que c'est pas pour faire... Aujourd'hui, si je vous parle de titre, vous allez dire que je me fous de votre gueule, quoi. Et c'est normal. Dans la situation dans laquelle on se trouve, on doit d'abord gagner les matchs, gagner nos premiers matchs de la saison pour espérer d'abord sortir de cette situation et puis remonter le plus rapidement possible au classement. L'OM peut déjà dire adieu au titre, Florent ? À mon avis, oui, il peut lui dire à la saison prochaine, quoi. Ciao, au revoir et à bientôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut pas qu'ils pensent encore au titre, les joueurs. Peut-être que nous, journalistes ou les supporters, on peut se dire peut-être. Il peut encore se passer des choses. Mais c'est vrai, en plus, il n'y a que 6 journées. Faut rappeler que Marseille a eu 12 points de retard derrière Bordeaux l'année du titre. Donc pourquoi pas, et il restait beaucoup moins de journées que cela. Mais il y avait moins de concurrents. Oui, il y avait moins de concurrents, mais c'est un fait que, alors qu'il reste 32 journées, ils peuvent encore, sur une série, sur une équipe comme Lyon ou le PSG, qui eux aussi vont avoir la pression et peut-être un coup de mou à un moment, ils peuvent éventuellement les rattraper. Mais les joueurs ne doivent même pas y penser. Là, ils doivent penser, comme on dit bêtement, match par match, parce que là, ils sont vraiment la tête dans le guidon. Quelles seraient les conséquences d'un faux pas demain au Vélodrome ? Je pense qu'il n'y aurait pas de conséquences directes ou de décisions définitives de prise, en tout cas concernant Didier Deschamps ou du côté de Vincent Labrune. Après, ça dépend surtout de l'attitude. Si on voit des joueurs qui perdent, qui n'ont pas de réaction d'orgueil et qui, pour certains, ont le sourire éventuellement après une défaite, et on en a vu deux ou trois après le match de Lyon discuter avec des Lyonnais, et ça a vraiment agacé des fans marseillais. On a reçu Christian Cataldo, le président des Dodgers, qui hier était remonté, il disait c'est pas normal que les joueurs aient un tel comportement. Donc voilà, donc ça dépendra aussi du comportement. Je pense que les conséquences, elles seraient plus au niveau de la grogne ici à Marseille des supporters. Après, on peut revenir sur Deschamps. Je pense que lui peut-être prendrait dans ce cas-là, ou éventuellement Vincent Labrune, des sanctions plus claires vis-à-vis de certains joueurs si certains ne jouent pas le jeu à fond. Par exemple, lesquelles ? Des sanctions financières ? Non, pas financières du tout. Mais peut-être que Didier Deschamps se dit que si demain il y a une défaite contre Evian, on aura beau s'appeler Alou Diarra, on aura beau s'appeler Rod Fanny, on aura beau s'appeler, je donne des noms un peu hasard, Lucho Gonzalez. S'il faudra aller sur le banc des remplaçants, on ira sur le banc des remplaçants. Peut-être qu'il y a un esprit de dernière chance qui, à un moment donné, trottera dans l'esprit de Didier Deschamps. Pour le moment, il a été assez indulgent, à mon avis, avec certains joueurs. Stéphane Mandanda estime, lui, que tous les joueurs sont complètement à mettre dans le même panier. Aucun ne sort du lot actuellement. Il l'a dit hier en conférence de presse. On l'écoute. Aujourd'hui, le souci, c'est le collectif. Il n'y a pas un joueur à montrer du doigt ou à sortir du lot par ses performances. On est pas mal de joueurs, que ce soit moi, à pas être au niveau pour des attentes et au niveau de nos objectifs. Donc il faut que chacun travaille encore plus de son côté. On a des périodes où des fois je suis dans le but, je sais qu'il peut rien m'arriver. Ils peuvent frapper des 6 mètres ou de 30 mètres, je sais qu'il peut rien m'arriver. Et puis il y a des périodes où c'est un peu plus difficile, mais c'est vraiment à l'image de l'équipe. Ça passe que par le travail et par la solidarité, je vous dis. Il ne faut surtout pas qu'on se disperse et que chacun, comme je dis, chacun cherche à se protéger ou chacun tire la couverture de son côté ou que chacun cherche à faire le héros. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas, c'est tout. Vous partagez l'avis du capitaine, Florent ? Totalement. Je trouve qu'il a un constat assez lucide. Tout le monde ou presque est à mettre dans le même panier. D'ailleurs, ça a été le sens du discours hier de Vincent Labrune aux salariés. Ça a été le sens d'un discours cohésion, entre groupé. Joueurs. Voilà, mobilisation générale, on tire tous dans le même sens. S'il y en a un qui commence à critiquer et à la jouer un petit peu égoïste, à dire c'est pas moi, c'est l'autre, ça va très mal se passer. Il y a vraiment eu ce discours-là auprès des salariés, entre joueurs avant l'entraînement. Et force est de constater que Steve Mandanda, il a raison. Hein. Loïc Rémy, qui serait peut-être le plus intouchable au niveau des critiques, il n'a pas été exceptionnel ces deux derniers matchs. Il est souvent esselé, un peu à isolé. Sa décharge. Et voilà, isolé, esselé. Donc il a cette excuse-là. Mais on avait vu un Chérou qui avait été assez bon à Olympiakos. Même si c'est vrai qu'il souffre des adducteurs, il a quand même été très moyen contre Lyon dimanche. Je veux dire, il n'y a pas un joueur qui est irréprochable sur ses 6 premières journées, c'est pas vrai.
Et Jean-Antonin Gaillard, hein, vous le savez, a tenu tête au PSG sur sa pelouse samedi dernier. Ils ont fait 2-2. Est-ce qu'ils peuvent créer la surprise demain au Vélodrome ? Je pense que ça dépendra uniquement de l'OM. Très franchement, ils ont beau être dernier au classement. Marseille est une équipe supérieure normalement à Evian-Tonon Gaillard. Sur le papier. Sur le papier, ils ont des. C'est une équipe assez homogène. Ils ont quelques briscards qui. Bon, même si Jérôme Leroy ne sera pas là, mais ils ont un Govou qui peut entrer en jeu. Voilà, ils ont quelques anciens qui amènent de l'expérience et un petit peu de fougue de jeunesse puisqu'ils viennent de monter. Donc on dit souvent que les premières journées de Ligue 1, on est sur la lancée de la Ligue 2, donc tout va bien. Mais très honnêtement, je pense qu'avec le match qu'ils ont livré contre Paris il y a trois jours aussi, ils y ont laissé des plumes. Donc si Marseille fait le nécessaire, ils devraient battre Evian normalement. Alors le problème aujourd'hui, hein, c'est les supporters. On va en parler dans un instant. Didier Deschamps, hein, lui, s'attend vraiment à un accueil mitigé de la part des supporters marseillais. Écoutez-le. Je ne m'attends pas à ce que le public qui nous accueille avec des fleurs et qui scande le nom de chaque joueur et de l'entraîneur. Voilà, ils sont. Voilà, comme je l'ai dit, ils ont ce club-là dans la peau plus que n'importe qui d'entre nous. Parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils seront là la plupart. Donc voilà, il faut être prêt à ça. Les joueurs, il faut qu'ils soient prêts à ça. Pas besoin de leur dire qu'on a une obligation de résultat mercredi. Mais voilà, il faut être prêt aussi que. S'il y a une mauvaise passe, eh bien, ça puisse siffler. Et après, il faut avoir la carapace, le caractère pour passer outre. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ce soir, les supporters ont été réunis au centre Robert-Louis Dreyfus. La direction du club a lancé un appel au calme. Est-ce que vous pensez que cet appel au calme va être entendu ? Je pense qu'il va être entendu dans les premières minutes de jeu et on en revient à ce qu'on disait. En gros, je pense que les supporters marseillais vont accorder une dernière chance aux joueurs. Ils vont les encourager au début, au coup d'envoi. Il y aura des banderoles. Ça va être un accueil assez froid, à mon avis. Après, je suis pas, voilà, je suis pas. Vous n'êtes pas supporter. Devin, mais je pense effectivement que certains supporters vont sortir des banderoles, c'est sûr. Que José Anigo, c'est pas trop un appel au calme, c'est plus une union sacrée, même si c'est un petit peu pareil qu'il a demandé. L'union sacrée, je pense qu'elle tiendra qu'un quart d'heure s'il y a toujours 0-0 au bout d'un quart d'heure. Vous voyez ce que je veux dire ? En cas de défaite, les supporters vont se révolter. Mais c'est évident, c'est évident. Et d'ailleurs, vous avez eu Christian Cataldo hier, j'ai eu d'autres responsables de groupes de supporters au téléphone, en interview, ils ont à peu près tous le même discours. On veut bien être indulgent 15-20 minutes, mais il faudra mouiller le maillot. Et s'il n'y a pas de spectacle et de résultats très rapidement, l'ambiance va être exécrable demain au Vélodrome, c'est sûr. Sur le terrain, Chéroux absent, Gignac toujours en soin, Mbia blessé, hein, toujours. Quelle équipe va aligner le coach marseillais ? Je ne sais pas s'il aura le courage de mettre par exemple Alou Diarra sur le banc des remplaçants, mais si Didier Deschamps est logique avec ses choix, c'est-à-dire que pour la cohésion de groupe, c'est important qu'il montre qu'un joueur qui n'est pas bien en ce moment doit aussi aller sur le banc. Ce sera le cas d'Aspilicueta également. Voilà, je pense qu'il va mettre Mandanda dans les buts, Fanny à droite pour faire un petit peu souffler Aspilicueta. Traoré a à mon avis besoin de souffler parce qu'il vient d'enchaîner deux matchs en 6 jours, il va sûrement mettre Morel à gauche. Nkoulou et Diawara dans l'axe, il pourrait mettre donc Caboret à la place d'Alou Diarra au milieu de terrain. Lucho. André Ayou à son poste préféré, il sera content. André Ayou, milieu de terrain aussi. Et Amalfitano et Valbuena en soutien de Loïc Rémy. Si j'avais une pièce à mettre sur une compo, c'est celle-ci. Nkoulou qui va, qui va revenir. Qui sort de suspension. Donc, non, mais il va être titulaire à 100%. Est-ce que ça peut-être apporter le déclic nécessaire à l'équipe ? Le déclic, je ne sais pas, parce que c'est encore un jeune joueur, donc c'est pas un leader sur le terrain comme devraient l'être des joueurs comme Souleymane Diawara, même s'il s'en défend et dit que c'est pas un leader. C'est dommage. Ou Lucho ou Chéroux. Bon, en tout cas, Nkoulou, il a montré dans son engagement, dans ses interventions en Grèce à Athènes contre l'Olympiakos, que c'est un joueur sur lequel on peut compter. Donc des joueurs qui font le métier tout simplement, ça c'est sûr que ça fait du bien à une équipe. Et Nkoulou, en ce sens, je pense qu'il a plutôt été bon. Deschamps compte sur lui en tout cas. À mon avis, Deschamps va l'aligner demain. Est-ce que Deschamps, pour terminer, Florent, est-ce qu'il a toujours la confiance de ses joueurs cadres ?
c'est pas 100% de confiance. Je sais qu'il y a certains joueurs qui, sans le dire haut et fort, ne comprennent pas toujours ses choix ou ont du mal parfois avec le discours de Didier Deschamps. Mais c'est en même temps une vie de vestiaire. Je veux dire, Deschamps ou un coach ne fait jamais l'unanimité. Dire qu'il a toujours la confiance de la plupart des joueurs, je pense oui. Mais pas de tous les joueurs. Allez, Florent Germain, merci d'être venu. On vous écoute demain sur RMC. Vous pouvez nous écouter sur RMC à 19h. Quant à nous, on va se retrouver demain, mais non pas pour parler de l'OM, puisqu'ils vont jouer à 19h. Mais on aura une émission consacrée au sport nautique. En attendant, merci de votre fidélité et passez une excellente soirée.